C'est récupéré peut-être par Jaurès Segbe. C'est fait avec Naronchek. Ça combine bien. Jaurès Segbe pour le centre. Zombiro n'en était pas à même de... Bon geste, malheureusement, il a pris tout son temps. Mais on revoit la belle action du WAC tout à l'heure. Voilà, ce petit ballon en profondeur. L'appel était parfait. Malheureusement, le centre était trop profond. Voilà. Devant, ça a été bien emmené à destination de... De celui qu'on aime tout simplement Camara ou Mikel. Bejores, on aura du mal à ressortir pour le WAC. Vive comme ça de cette équipe du WAC, surtout que c'est elle a besoin de points et elle se retrouve menée tout de suite en début de match. Donc on attendait de voir une équipe qui percute, qui essaie de mettre. Essaie de retrouver son partenaire dans l'axe et retrouver Jaurès Segbe. Dans le couloir gauche. Zouba Isidore, alors qu'on annonçait une perte au milieu de terrain parce que Boateng a lancé Samaké Sekou. Le bon centre de Samaké, il n'y aura personne pour reprendre ce ballon. Curlin pour lui et Sebassam. Ah, ce bon petit ballon de Nogo pour Samaké, c'était excellent à regarder. Il est mis comme il fallait, il prend bien son ballon, malheureusement c'est trop appuyé. Voilà, ça trouve Gwede, je crois, au deuxième poteau. C'est dommage. Et côté droit de l'attaque du WAC. Jaurès Segbe, le garçon venu de la sécurité. Bon, ce latéral là, c'est vraiment un latéral moderne, il est offensif, défensivement il répond présent. Pas fait actuellement, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire, chercher, prendre le... Alors il va rejoindre ses partenaires, il y avait plus de peur que de mal, Zouba Isidore. Il est de retour, le tout babou, comme on dit. Comme on dit dans les arbitres. Etienne, Jaurès Segbe, il aura dû se retourner. Il ne parviendra pas. Difficile pour lui alors que ça reviendra. Jaurès Segbe, la dernière action de cette première partie avec Jaurès Segbe. Roland Zambi et lui attaquant et Diallo, lui défenseur. Ouais, c'est une grosse performance pour Diallo. Hein. Ça montre toutes les qualités qu'a ce joueur-là. Il est rentré dedans. Il a plutôt attendu. Il a subi le ballon. Malheureusement pour lui, ce ballon est parti. Dommage, pas en connaît. Jaurès Segbe. Avec Etienne, Yamego, avec Jaurès Segbe. Dans le couloir gauche maintenant, c'est pas passé dans l'autre couloir. On va. Manda. Ah, ils ont du mal à s'entendre, hein, les jumeaux, en cet après-midi. Eux qui avaient promis deux buts. Faut bien mettre le premier. On attend de voir, on attend de voir. Ça va venir. Le pari de Khalil, on verra s'il sera tenu. Mais nous, on est pressés de voir. Voilà. Il y croit toujours le parrain, Khalil. Le pari va tenir jusqu'à ce que l'entraîneur lui... Et ensuite, sur Honda Willy. Jaurès Segbe. Ouais, tout ça est trop latéral. Alors, Zouba qui était assis s'est relevé. Parce que le ballon n'a pas été sorti. Qui a l'habitude comme ça de sauver son équipe en égalisant très souvent en fin de match où on pense que ce match il est fini, il surgit et lui il met ce petit but là qui permet au WAC de ne pas perdre. Oui, c'est clair que c'est pas terminé avec le Williamsville Athletic Club. Jaurès Segbe. Il y aura un autre défenseur bassamois pour le ressortir. Ça reviendra encore, les costauds, Jaurès il est passé pour un autre centre. Il est désormais en remplacement d'Aboubakar Diakité. Ouais, c'est du poste. Pour lui, c'est Bassam. Ouais, belle saison réalisée par lui aussi. C'est clair. Jaurès Segbe par le Williamsville Athletic Club avec Arby Roland pour le centre. Encore une fois, il n'y aura personne. Ouais, c'était trop fort, malheureusement. Mais c'était bien envoyé. Grosse activité de Jaurès Segbe à la récupération de ce ballon. Diallo en attaque, Cablan. Mais c'est intercepté par Koulibaly. Sur son défenseur, il faut peut-être le lancer pour qu'il aille en profondeur. Au lieu de chaque fois le chercher dans les jambes, dans les pieds, il faut peut-être mettre le ballon devant. Et il a décalé. Etienne qui joue très souvent juste, hein, il perd pas beaucoup de ballons, il arrive à faire... Alors qu'il va se retourner pour Jaurès Segbe qui emmènera le centre par personne. Ouais. Andrew Malcolm. Ouais, c'est l'autre Nigérien, Andrew Mikel.
Marduno est parti, mais là il est resté sur ses appuis, mais c'est difficile, que c'est difficile pour lui. Là il se retrouve avec un joueur qui monte, catapulte ce ballon là dans le filet. C'est bien joué de la part du Wydad. Ah, c'est bien joué. Ah oui, on n'a même plus les mots, on n'a même plus le souffle. Ah, tellement c'est bien joué, c'est bien orchestré. Ah, il y avait tout dans ce but-là, de la justesse, de la technique, de la précision, alors que ça peut revenir. But, on est parti encore, il reste encore du temps, il reste encore 10 minutes, sinon plus. 10 minutes, là. Le geste technique en cœur d'Armandinho, on peut retrouver Jaurès Bé avec Etienne, ça peut revenir à Jaurès Bé. La mauvaise transmission du capitaine Diallo. Ah, ils ont vraiment du mal hein, à terminer ce match, les Bassamois. Sur ces différents ballons manqués, Jaurès. Alors que le buteur Bassamois, le premier, Gnadou qui a vraiment mal, qui est couché sur la pelouse d'ailleurs. Le dernier ballon, c'est sûr. 93e minute, on joue la 94e maintenant. Toujours 0 avec la standard. Et si ça continue, Jaurès Bé qui va perdre le ballon. Et le dernier, c'est sûr, sera Bassamois. Ouais. Dernière action pour lui et Sébastien. Voilà, gros contact, hein, et avec, il ramasse son...